Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle aventure, l'art de la piégeuse, on est parti. Squawk, polygon bargain, polygotta bargain, greedy traps for treasure and tombs, squawk, fully guaranteed. Squawk, what's the use? No one wants to buy from a talking parrot, looks like it's back to the stale bird seed for me. Truth be told, no one's seen the trap maker in ages. I did find these notes she left behind, though. Seems to me she was put to work designing traps for old Briggsy herself. Looks like she left a trail to follow that leads all the way to Briggsy's stash. Maybe you can use them to track it down. Squawk, just watch your step. The trap maker has a very particular sense of humor. Maybe come tell your old mate Salty if you find her, yeah? Not that it's partly his fault she was kidnapped or anything, you understand, but Squawk! Squawk! Bye for now! Ok, on a le journal, on est paré. Donc vous trouverez le début de quête pour lancer la quête à Plunder Valley, près de l'épave. Côté sud-est. Merci beaucoup Ratata pour ce saphir magnifique. Alors, la célèbre conteuse est elle-même empêtrée dans une malheureuse histoire. Par mon art, je vais me venger. La trahir par le bois, instiller ma haine dans le fer et bâtir une cage pour sa jolie pierre. La pierre a attisé la cupidité de trop de cœurs et de trop d'âmes. Pourquoi la cherchez-vous? Si seulement vous voyez ces mers pour ce qu'elles sont. Maintenant, seul le rhum peut vous ouvrir les yeux, vous montrer la marche à suivre. Chercher la grotte d'ossements sur Plunder Valley. Au fond, auprès de l'oiseau de pierre. Le capitaine de Forsaken montre du doigt le feu et la cendre. Donc le capitaine, c'est qui le capitaine? C'est celui avec les yeux. Ou c'est lui le capitaine? C'est lui le capitaine, c'est lui là. La cendre. Main dans la main, les deux amants regardent leur destin. C'est là ici, main dans la main, je les ai mis main dans la main, c'est bon. Ok. Regarde le destin. La livresse de Rome a posé son verre. Ah, elle a posé son verre. La voleuse se cache derrière son masque d'or. C'est bon. Ouais, ensuite. Peut-être le bras de lui qui est pas bien placé. Yes. Longue vue de la piégeuse. Ok. Vous détenez ma longue vue spéciale. Un test pour voir si vous êtes digne de protéger ma pierre. Allez à Discovery Ridge et cherchez ma marque. Debout, appréciez la vue. Vous devinez l'emplacement de la pierre? À travers les palmes foisonnantes, je marche et glisse, poussé par les effluves du rhum et de l'avarice. Ah voilà, c'est... Ah non, voilà. Vas-y, descends, Tata, vas-y, va tout droit là. Entre les deux rochers qu'il y a devant. Non, recule un petit peu. Voilà. Parfait. Ah, seconde coordonnée. Piège et trésor. Je construis la première partie de notre accord et elle fournit le reste. La pierre que vous cherchez n'offrira qu'os fracturé et défaite cuisante. Voilà prévenu. Très bien, voici son emplacement. Ça ressemble, sinon c'est de l'autre côté de l'île. Bah là il y a une marque, mais Ouais bah c'est celle-là. S'il y a une marque là, c'est celle-là.
y a le cours d'eau qui sort. Et ouais, en plus il regarde sur le petit îlot. C'est sûr que c'est celle-là. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder? Les deux trucs en face. Vas-y, avance. Avance, t'as vu où les deux marques sur le rocher en face là? LOL. Ah, le pire. Le pire. J'ai creusé moi-même parce que... Mais non, putain. Ça fait non, j'aurais pu creuser juste garder suspense. C'est toi, t'es là dessus. Si vous cherchiez la pierre, vous devez trouver la clé de mon atelier ici sur Discovery Ridge, mais la porte qu'elle ouvre se trouve ailleurs. La clé de Sailor's Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Ah ouais, une très belle surprise, merci. Ouais, vraiment, oui. Émerveillé par la beauté de l'île, je rame au fil de l'eau, là où une terrible mâchoire a craché mon affieu. Ok, donc tu me dis, va vers tu la l'as chaloupe, vu où? Vers la chaloupe, entre le rocher vers et la chaloupe. Chaloupe. Vas-y, descends, descends. Ok. Non, 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 de l'autre côté, vers moi. Vers là? Un petit peu plus sur ta gauche. Ouais, encore, oh, je viens de me faire piquer encore, par le serpent. Encore. Ah bah attends, ouais. Attends, attends, avant de déterrer. T'es pile dessus là, bouge plus. Et attends. Ok. C'est quand tu veux, hein. T'es que t'es plus empoisonné, tu peux y aller. Ok, c'est bon. C'est bon là. Oula. Ça explose de partout là. Parce que là ça explose de partout. Wow wow wow. Holy shit. On se casse. Go 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 go. Go go go, courez les gars, courez, ça pète. Oh putain. Tranquille. Ah ça c'est du piège. What the fuck. What the fuck. Le bateau. Oh, on devrait peut-être bouger le bateau limite là. Alors c'est bon, ça s'est calmé. La clé de Sailor Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Ah oui, mais... C'est à Sailor Bounty qu'il faut aller, ouais. La clé de Sailor Bounty va dans ces grottes où stagne l'eau. J'ai laissé une surprise pour vous. Ouais, parfait, c'est ça. Ah, la bonne surprise qu'elle nous a laissée, ouais. Ouais, ouais, Simir, la surprise. Katis, look, Katis. Comment ça après, tu peux tirer dans le baril si tu veux pour voir. Tu veux voir si c'est pas le jeu, ouais. Oui, oh, se calmer. Arrête tes conneries, ratata. J'ai pas envie de recommencer une troisième fois. Surtout qu'il faut que tu le fasses 5 fois d'affilée si tu veux débloquer. Alors attends, ça va, c'est là. Alors, attention aux planches en bois, on ne marche pas dessus, ça active les pièges. D'accord. Logiquement, ça devrait, c'est ça. Si vous voulez, on peut tester, hein. Quelqu'un qui marche. Je pense que ça doit être... Je peux l'ouvrir. Non, ça doit être vers la cascade, je pense. Oui, c'est ça, il y a une marque blanche ici. Regardez, il y a une barre blanche. La même que du coup sur le baril. Allez, ouais. Blaze. Ok. Ouais, c'est là que j'habitais la dernière fois, c'est au fond là-bas. À gauche, ah, à gauche. Marque blanche, ouais, la marque blanche ici. Ouh, il y a des trucs ici aussi. Il y a la même marque blanche là du coup. Yeah. Attention là, les gars. Attention, les gars, go. Ouais, attends, moi j'attends. Hi. Go. Ok, go. J'attends. Ouais, on attend là. Je connais pas le. Wouah. Ok. Attention, y'a l'autre qui sort. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Non. Je suis mort aussi. Vous y arrivez, les gars? Ouais. Attention. Bah non, ratatez. Oh my goodness. My bad. Nice.
On va me perdre là par contre. Je suis pas passé par la même entrée, du coup je me suis retrouvé à un. Non, non, j'étais là, j'étais bon, ok. Oh oh, petite musique d'ambiance. Oh. J'ai peur. Voilà, c'est là où j'étais l'autre jour. Il va falloir poser le baril ici. Ouais, c'est ça. Hop. Attention. Oula, on va, ouais, on va reculer pour éviter que les squelettes tapent dans le baril éventuellement. Ah, je vois pas qu'il tape dans le baril. Moi j'ai envie de leur péter là. Easy clap. Non, c'est quoi là? Que j'allais péter le baril là? Possibilité aussi. De la part du joueur français. Là! Voilà. Fais gaffe à ta mère. Ah, par contre, j'ai pas de ressources moi. Ouais, y'en a un juste là. Ah, bizarre le shotgun. Autant des fois je one shot, autant des fois je one shot. Ouais, faut que tu quickscope. Faut tout le temps quickscope au shotgun. Tes balles sont plus précises quand tu quickscope. Pas mal de vagues, ouais.
fait, il y en a un paquet. Ouais. Je pense qu'on devrait bientôt voir le boss quand même. C'est bientôt fini. Easy. Ok, ok. Ah, je vous l'avais dit ou pas, les gars? J'ai le flair pour ça. C'est vrai que tu l'avais dit. Hein. Zedith, salut les gars, c'était bientôt fini. Allez, c'est la dernière ligne droite. Let's go, les gars. On le gueule, ce capitaine, parce qu'il n'y a qu'un capitaine. Mais c'est moi. Voilà. Peut-être pas du violet ça. On fait quoi? Une nouvelle page au journal. Alors. Vous êtes bien courageux de vous aventurer dans mon atelier. Cherchez la marque lune pour trouver la pierre. Ah, dans la cage de Crescent Island. Christian Ice, bon bah go. Salut. Ouais, allez Christian Ice. Salut pirate, mais écoutez bien mon avertissement, agissez pour la gloire, pas pour l'argent. Je me suis vaincu, mais j'en ai plus un seul tour dans mon sac. Ok. Bon bah go. A mon avis, il doit y avoir une quête de crâne par là. Ouais, il y a une quête active. Ah, ça a l'air d'être ici. Oh. Mais je crois qu'il y a pas de... Il y a l'air d'y avoir rien d'écrit dans le livre, quoi. À mon avis, on n'a pas besoin du livre, je pense, pour cette énigme. D'accord. Je pense, hein. Ah bah voilà. It's ok. C'est foutu pierre qui sert à rien. Il faut juste prendre. Ah, mais y a le joyau juste là. Y'a pierre de Shotbreaker, tiens. Bien joué. Y'a même des. Nice. Y'a des souplesses dans le. Oh, ah putain. Voilà. Voilà pourquoi. Bon, bah, ok. Bon, attends, je la pose là. Hein. Je la pose là. C'est quoi ça? Médaillon de requin? Ok. T'as un médaillon de requin? Ouais. Ah oui, oui, c'est à chaque fois quand tu as un boss. D'accord, ok. Hop. Tu vois, il y a un boss là. Hop, médaillon. Non, je te le. Tiens. Hop. Là, c'est bon? Ok. Hop, voilà. Et le dernier. Plus rapide. Hmm. C'est ça des boss? Ouais, c'est pas qui ont un peu traîné. Et voilà. Tiens. T'as récupéré la pierre? Ouais, vas-y, prends l'autre. Elle est là, elle est là. Ok, je la prends. Squawk! So you found the trap maker, eh? I never meant for her to come to any harm, I swear it. But I had no choice. Frenzy would have had me for supper if I hadn't introduced them. And I've been racked with guilt ever since she went missing. If I had feathers, they'd be molting. But now, you've inspired me to turn over a new leaf. I know I've been a bad egg, but it's time to mend my ways.
And to show my appreciation, I'll deliver that gem of yours for only five... I mean, for free! Goodness in my heart and all that, you know? Now we're mates. Spock! Et ben voilà, GG, hein. Ce fut une bonne aventure. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. L'emplacement des journaux se trouve en fin de vidéo, comme d'habitude. A bientôt les gens, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Premier journal à Thunder Valley. Dans la grotte, le piège parfait. Le second journal, vous le trouverez sur Discovery Ridge. Donc sur les hauteurs de Discovery Ridge, au niveau du canyon, le leurre. Et enfin, les trois derniers journaux à Sailor Bounty, tout au nord-ouest de la map. Tous au même endroit. Rajouter du piquant. Une adversaire digne de moi à côté du lit. Et le dernier, il est à côté de l'enclume. Faire le poids.